Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Voici une vidéo essentiellement du réassort pour la boutique. Je commence par vous montrer de la poudre céramique de chez Stamperia. Elle est à diluer avec de l'eau. Elle sera idéale et aura un résultat brillant pour vos moulages. Ici, il s'agit d'une pochette qui mesure 32 par 32. Elle est faite pour ranger les papiers 30-30, donc elle se ferme avec un rabat et une pression. Ici, je ne vais pas vous les montrer à l'unité, vous les connaissez déjà, c'est du réassort en tampon Gorgeous. Des feuilles de riz sont en retour sur la boutique. Ici, je vous montre deux moules que vous connaissez au format A4 de chez Stamperia. Vous pouvez bien sûr y mettre la poudre de céramique dedans ou de la pasta sculptura. A savoir qu'un réassort au niveau moule devrait arriver semaine prochaine, sauf s'il est bloqué bien sûr. Donc tous les produits sont à côté de moi et je les prends comme ils viennent honnêtement, donc il n'y a pas d'ordre précis. Donc là, vous avez pu voir le cardstock noir qui revient en boutique. Voici du papier aimanté au format A4, des pages pour le classeur Gorgeous. Ici c'est du foil qui s'active à la chaleur, c'est une couleur rose iridescent. Ici c'est le gesso noir de chez Indigo Blue, les petits cailloux. Voici quelques pochoirs de Stamperia en réassort. Ici, c'est à nouveau, ce sont des carreaux de ciment. Des blocs 30-30 de chez Stamperia. Vous êtes nombreuses à attendre le Blue Land, sachez qu'il est pour l'instant en rupture. Ici, vous le voyez, le classeur de rangement Gorgeous. La couleur dorée en easing paillette. Ici, c'est le finish or en spray. Et deux pigments easing, couleur or et tomato, font leur retour. Des glue drops de 4 mm ainsi que du double face. Arrive aussi. Ici, vous voyez un peu de réassort en tampon polka doodle. Un peu de feutre aquarelle de chez Spectrum Noir. Quelques fleurs de chez Prima. De l'aquarelle liquide de chez Coline Talence la blanche, des sprays de Lindy's, la poudre embossée rose gold de chez Lofone et la noire de chez Lindy's. Les cartes de journaling de la collection Moonchild de chez Prima ainsi que le bloc 15-15. Quelques tampons aussi de chez Indigo Blue et Stamperia. Les shaker push en forme de cœur de chez MFT. Les cartes de la collection Pink Christmas de chez Stamperia. L'album, vous le reconnaissez, c'est celui que j'utilise dans les vidéos Je scrappe ma fille sur le groupe.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous ces produits dans la boutique. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de belles créations et je vous dis à bientôt.